le gland et la citrouille dieu fait bien ce qu'il fait sans en chercher la preuve en tout cet univers et l'aller parcourant dans les citrouilles je la trouve un villageois considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue à quoi songeait dit-il l'auteur de tout cela il a bien mal placé cette citrouille-là. Et parbleu, je l'aurais pendu à l'un des chênes que voilà. C'eût été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre pour bien faire. C'est dommage, garrot, que tu n'es point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux. Car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à garrot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe. Le nez du dormeur pâtit. Il s'éveille et, portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez le force à changer de langage. Oh, oh dit-il, je saigne. Et que serait-ce don s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde, et que ce gland eût été gourde Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute il eut raison. J'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garou retourne à la maison.